Bonjour, ici Laura au Musée canadien de la nature. Cette année, partout dans le monde, nous commémorons le 100e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dans nos collections au musée, nous avons une contribution durable d'un jeune soldat qui a perdu la vie pendant cette grande guerre. Cet héritage est constitué de 150 œufs d'oiseaux que Lindsay Clarence Vaughan de Woodstock en Ontario avait collecté quand il était plus jeune. Lindsay Vaughan s'est enrôlée en 1914. Michel, comment le musée avait-il obtenu la collection d'œufs de Vaughan? Ça nous a été donné en 1979 par la famille, par des gens de la famille. J'imagine que ce matériel a été gardé comme souvenir pendant longtemps. Et qu'est-ce que la collection nous apprend sur le jeune Vaughan? En fait, cette collection-là, on peut regarder peut-être plus près ici. Ça nous indique le type d'environnement dans lequel la personne vivait, parce qu'à cette époque-là, au début des années 1900, c'était un hobby très populaire de collectionner les œufs d'oiseaux. C'est devenu illégal en 1917. Beaucoup de jeunes garçons là, dans les régions rurales avaient ce genre de collection-là. Celle-ci, je la considère assez étoffée, là, parce qu'on a une grande diversité d'espèces qui montrent qu'il y avait la personne avait une connaissance là, des différents habitats. On voit des oiseaux qui vivent dans les marais, comme les marouettes. On voit des coulicous, des espèces dont le nid est assez difficile à trouver. Ça prend une assez bonne connaissance là, de la nature, des oiseaux, de la végétation, des habitats d'ambiance là, de cette région-là. Ça nous donne un peu un polaroid là, de la région à l'époque. Lindsay Vaughan a servi dans le 13e régiment Middlesex de la Grande-Bretagne. Il a été blessé lors d'une bataille en 1917, non loin de Vimy, et il est mort à l'hôpital en France. Son nom, ainsi que ceux d'autres soldats morts au combat, est gravé sur une plaque commémorative à l'église presbytérienne Knox à Woodstock. En ce jour de souvenir, nous rendons hommage à Lindsay Vaughan, passionné de la nature, qui est mort beaucoup trop jeune et dont sa collection d'œufs d'oiseaux est conservée soigneusement au Musée canadien de la nature.